rail, 10-10, rendez-vous à Isle Plaza, on nous signale du tapage. 10-4, régulateur, répétez l'adresse. Isle Plaza, tapage à Isle Plaza, on nous signale du tapage. Attaque en cours à Isle Plaza, je répète, attaque en cours, c'est la guerre ici. 10-85, régulateur. Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchai mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir 3 ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. J'étais encore dans la police de New York. Manhattan, circonscription nord. L'antichambre de l'enfer. Alors, détective Payne, quand viens-tu rejoindre mon équipe? Tu vas me faire bosser sous couverture? Désolé, Alex. Mais Michel et le bébé d'abord, tu vois? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais, Max. Un vrai boy scout. À bientôt, Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir? Je ne raterai ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les rires d'enfants, une maison au bord du fleuve, sur la rive de Jersey, une femme merveilleuse et une petite fille. Le rêve américain, en somme. Chérie, c'est moi! Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemars. Le soleil se couchait avec sa bravoure coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Michel, ma chérie, tu es là? Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Qu'est-ce que c'est? Un horrible tag ornait le mur. Un présage pour la vie. Une seringue empoisonnée. Un tag magique chargé de significations diaboliques. S'est introduit chez moi. Appelez la police. Oui? Je suis bien chez les Payne. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Ils sont toujours là. Appelez le... Très bien. Désolé, je ne peux pas vous aider. Qui êtes-vous? Allô? Allô? Michel! Fais-le! Non! 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 Michel! Je vous prie! Je vais te faire mal! La mort! Police, bouge plus! Lâche ça! Non, non, Michel, mon Dieu, non!
prise d'une nouvelle drôle encore inconnue, la Valkyrie, le V. Après l'enterrement, j'ai dit à Alex que j'étais prêt à entrer à la DEA. Il nous a fallu 3 longues années pour avancer sur l'effet Valkyrie. Et puis il y a 2 mois, on a dit que nous avions été sur Jack Lupino, un des patrons de la famille Puccinello. J'ai alors infiltré la pire des familles de la mafia new-yorkaise. J'entrais. À l'extérieur, la ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu frotté à un gros poisson. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de l'organisation. Alex et Bébé étaient mis en contact. Et seul dans cette ville décadente à savoir où j'étais. Bébé à l'appareil. On a du nouveau sur Lupino. Vous devez rencontrer Alex immédiatement, station Rosco Street. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais infiltré le milieu. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Des hallebardes glacées s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un ami comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon Beretta se soulevait nerveusement sous ma veste, mais les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Rosco Street et Alex. La station était plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver. La mort planait sur Rosco Street. Je devais trouver Alex au plus vite. Les pilules calmeraient la douleur. Qu'est-ce que c'est ?
Le tableau de sécurité couinait d'un air moqueur. Ça fait besoin du code. T'entends quelque chose? Non, du calme. Bon sang! Tu m'as sauvé, mec! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un massacre! Des types armés ont surgi de nulle part! On doit demander de l'aide! Je peux appeler de la salle de contrôle, là-haut! Vous pouvez m'accompagner? Pas de problème, suivez-moi. Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons rejoindre la salle de contrôle! La salle de contrôle est en haut des escaliers. Ne restons pas là, dépêchez-vous. Ne restons pas là, dépêchez-vous. Ici. Bouge pas. Attention. La rame s'éclaira comme un arbre de Noël. Le courant était rétabli. Qui la Rosque Banque, c'est pas vraiment ce que j'appelle faire profil bas. C'était fermé. Je devais trouver un autre moyen pour rejoindre le tunnel.
La porte rouillée s'ouvrait sur une partie abandonnée de la station fermée au début des années 40. Quelque chose d'important se passait à Roscoe Street. C'est peut-être pour ça qu'Alex voulait qu'on se retrouve ici. D'une manière ou d'une autre, j'allais trouver la réponse. La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Ok les gars, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. On s'en tient au plan. On a notre source de détonation. Bouge pas.
Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous ? Et vous ? Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bon sang, qui êtes-vous ? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Chercher que les bons porteurs Diesel Corporation. La réussite Diesel avait fait la une de toute la presse. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Ok les gars, la police est en route. Le grat...
Il n'a recherché que... Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table, et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. De voir son regard vide et accusateur. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces trois dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plates-bandes de l'Opéra. Lupino dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. Lupino pensait qu'il pouvait nous avoir. Il n'avait eu que mon attention. J'allais immédiatement à l'hôtel. C'était un vieux bâtiment aux lampes clignotantes et aux couleurs passées qui abritait de petites ruines de la mafia et des prostituées. J'entrais franchement, à la manière de Bogart, comme je l'avais fait des centaines de fois.
l'endroit était tenu par des tueurs de la mafia au sourire de requin. Les frères Finito. Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Ben Max pour Max Payne. Je suis mort de rire. Vous l'avez trouvé tout seul et vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch. Inutile de répondre, simple question rhétorique. J'ai quelque chose pour le patron. Lupino est dans le coin ? Ça dépend pour qui ? Un ami ou un pourri de flic de la D1 ? Inutile de répondre, simple question rhétorique. Lupino n'est pas là, mais il te salue. Lupino n'était pas à l'hôtel, mais j'étais tombé sur les frères Finito. Ma couverture était grillée, les portes se refermaient sur moi, et les balles tombaient aussi dures que des grelots. Ben Max. Une lettre sur le bureau attirait mon attention. Patron, tout va bien ? Patron ! Je n'avais rencontré Lupino qu'une seule fois. Le truand dirigeait son racket par l'intermédiaire de son bras droit, Vinny Cogniti. Cogniti était une pile électrique qui risquait la surchauffe à tout moment. Il avait l'esprit nécessaire pour diriger ce petit commerce, mais il manquait d'un cran. Il passait sa frustration sur des petits camés et des putes. Le commerce du V a diminué dans votre tête. Jack a dit exactement « Vinny, tu t'occupes de tout ». Fin de citation. Rico Muerte vient nous donner un coup de main. Si quelque chose va de travers, tout le monde y passe. Et c'est pire pour vous. Traitez correctement ce mec et donnez-lui tout ce qu'il veut. Ne bousillez pas ce deal. Vous êtes finito, mais finito. Le commerce du V impliquait plus de sécurité, des portes verrouillées et un tas de truands nerveux le doigt collé sur la gâchette. Je n'avais rien vu venir, mais ça ne signifiait pas que je n'étais pas là. Rico Muerte était une vraie brute. C'est ce qu'on racontait aux petites frappes pour les tenir en laisse. 313. Et Finito avait noté le numéro de la chambre de Muerte dans la marge. Sortir d'ici n'allait pas être simple. La porte des escaliers était fermée et l'ascenseur était cassé depuis une éternité. La police de New York est à la recherche de Max Payne, tempête meurtrière. Directeur adjoint, police Jim Brevoort. Lors de sa conférence de presse, le maire a déclaré que Valkyrie représente un réel danger pour la ville de New York et a appelé à des actions drastiques pour éliminer le problème. À la une aujourd'hui, durcissement de la crise Valkyrie. En effet, l'agent spécial Alex Borders de la DEA a été assassiné, abattu de plusieurs Valkyries à bout portant. Le tireur a été identifié comme étant Max Payne. Les mailles du filet se resserrent autour du criminel en fuite. De nombreuses unités policières ont été envoyées en renfort pour l'arrêter. Je venais de vivre mon quart d'heure de gloire.
Amelia, le marquis Valentine demande audience. Merci, Lawrence. Bouge pas. Mes OV sont imprévisibles. Je devais être prudent. Elle arrive. Elle arrive. D'abord. La chair. C'est Payne. Ce soir, le combat que mène la ville contre ce fléau que représente Valkyrie a pris un autre visage avec le décès brutal de l'agent spécial Alex Border de la DEA. Son corps a été découvert à la station de métro Rusk Street. Un suspect a été identifié dans les lieux quelques instants après le coup de feu. La police de New York recherche activement Max Payne, un récidiviste certainement armé et extrêmement dangereux. Passons à la météo. La plus forte tempête de neige jamais enregistrée continue de s'abattre sur la ville. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. La fête est finie depuis longtemps ici. Je ne peux pas dire que je suis désolé d'avoir raté le spectacle. À la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Police Jim Brewer. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie. La police de New York. À la recherche de Max Payne. Tempête J'ai trouvé la chambre de Muerte. Bouge pas! Savoir ce qui était arrivé ici. Ce n'était pas beau à voir.
Carter avait reçu une lettre. L'enquête n'avait pas réussi à relier Angelo Punchinello, le chef de la famille Punchinello, à Valkyrie. Toutes les pistes menaient à Jack Lupino. La lettre dans la chambre de Moerté était signée par le Don en personne. C'était une preuve qu'il connaissait les activités des membres de la famille. Les ennuis que vous avez rencontrés après le désastre de Chicago. La famille Punchinello vous a fait sortir de prison. Vous avez une chance de rembourser votre dette. Un de nos caporaux est filé par un flic aussi puissant que King Kong. Nous avons besoin de vos compétences pour nous assister sur un deal important. Les preuves remontent à plusieurs centaines de balles en arrière. J'étais si loin du point de mon retour que je ne me souvenais même plus comment c'était avant que je franchisse le pas. Bon sang, je croyais que c'était une bombe. Non, le Russe n'oserait pas. Ça devait arriver. Bon sang. Une pute avait laissé son agenda sur la table. C'était le journal intime d'une prostituée, une certaine Candy Down. Son contenu aurait fait rougir en flatterance. Encore parler au téléphone avec la mystérieuse sorcière. Envoyer la dernière bande d'Alfred Le Born. Encore pour Le Born. Lui peut bien venir tous les jours. Elle avait un petit commerce lucratif. Elle filmait ses clients et les faisait chanter avec les bandes. Elle en mourra si sa dose de vie quotidienne ne la tue pas avant. Le vieil ascenseur de service descendait en crachotant dans les entrailles de l'hôtel de Jack Lupino. Descendez-le!
Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Bulletin d'alerte. Une violente tempête sévit actuellement sur la zone des Trois États. Des pluies verglaçantes et des chutes de neige ininterrompues ont conduit à la fermeture de nombreuses routes. Il est déconseillé de sortir. Le blizzard s'est abattu sur New York depuis 3 jours. Aucune amélioration n'est prévue. La neige tombait depuis le début de l'affaire Valkyrie, et aucune amélioration n'était attendue. Et c'était bien ainsi, car il y avait moins de risques que des innocents soient pris sous les feux croisés. Preuve numéro 1, un journal. Le corps d'un homme attaché à une chaise gisait dans la chaufferie. Captain Beef Pompadour est un super-héros et tue toujours ses adversaires. Un pacte si bien me fait toujours même effet. L'arme du crime était une batte de baseball gisant dans une barre de sang séchée à côté d'un journal plié, ouvert à la page de la bande dessinée Captain Baseball. Une vie antérieure, ça aurait été une arrestation pour les narcotiques.
avait une clé sur la table. C'était de l'argent sale. Les cylindres transparents remplis de Valkyrie scintillaient. Deux fauvres prêts à s'entretuer. Ils entrent dans la pièce, et je pense qu'ils vont le faire. Mais non, ils s'assoient devant la télé et règlent leurs différends avec un jeu vidéo de kung-fu. Comme je te le dis, Candy, j'étais si désespéré que je les ai étranglés avec les câbles vidéo. Oh, ricotte, si méchant. C'est vrai. Rico Muerte, le célèbre escroc. T'es qui, toi ? C'est ce flic. Muerte se dirigea vers son revolver. Il est là ! L'antique standard fonctionnait encore. Il y avait un vieux standard téléphonique derrière la réception. Le genre de téléphone avec lequel les enfants jouent. Ce n'était pas difficile d'imaginer ce gros porc suant avec son casque sur les oreilles, écoutant ses putes raconter des cochonneries et feindre l'orgasme au téléphone. Les veines de New York. Pour l'instant, les soupirs et les gémissements étaient différents. Patron, Goldie, c'est vrai. Il a commencé à nous arroser. Il l'a tué. Oh. Il faut de moi. C'est un peu difficile. J'espère qu'on va faire des blagues. T'en débarrasses. C'est quoi le problème? Hein? Allô, réponds-moi. Allô? Le mot était lancé. Un virus mortel était lâché dans les veines corrompues de la ville. Une chose terrible arrivait. Max Payne. Thank you.
C'est ce que j'aurais dû faire si j'avais été insensé. Mais visiblement, je n'étais pas. Les immeubles de Goupino servaient de repère à toutes sortes de malfrats. Un magasin de spiritueux, un prêteur sur gage, une laverie automatique remplie de bookmakers et de prêteurs aux dents longues, etc., etc. Pourquoi et comment, je l'ignorais. Mais ils savaient que j'étais flic. Ils savaient que j'arrivais et n'allaient pas être déçus. J'étais venu voir l'antre de Lupino s'illuminer. Une bombe explosa, transformant la neige en beurre liquide, une colonne de feu soulevant les restes d'une voiture. Les flammes découpaient les formes d'une Mercedes noire qui descendait la rue très lentement, comme si son chauffeur n'avait rien d'autre à faire. J'avais largement eu le temps de voir l'homme. C'était Vladimir, le chef de la mafia russe locale, la mouche dans la soupe de Don Puccinello. Mes oreilles résonnaient de la guerre qui secouait la mafia. Bombe explosa dans le bâtiment pourri d'à côté. Une chance pour les gogos à l'intérieur, ils en étaient quittes pour une grosse peur, mais la chance a toujours un prix. D'autres bombes attendaient peut-être leur tour pour exploser et les flics étaient certainement en route. La suite de Lupino était au dernier étage. Du moins, avant l'explosion. Les titres des journaux étaient d'un rouge déprimant. La une des journaux était rouge sang. La tempête et les sirènes des voitures qui s'approchaient chantaient en dur. Quand vous êtes recherché pour meurtre, tout n'est que hurlement.
Le bâtiment était truffé d'explosifs. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Le bâtiment était truffé d'explosifs. Besoin de la clé pour ouvrir la porte. Quelqu'un avait laissé une lettre sur le comptoir. Soudain, tout prenait un sens. Les bombes, le chef de la mafia russe qui se déplaçait en personne. Gogniti était fidèle à lui-même, tout en parole et en inertie. Après notre passage, le russe n'a plus que quelques armes, et on peut les acheter. Il n'aura pas les tripes de tenter quelque chose après ça. Il s'avérait en fait que le russe ne manquait pas de tripes. Une chose est sûre. Si vous poussez un homme trop loin, tôt ou tard, il poussera à son tour. Bouge plus, je veux rater demain. Il y avait une clé sur l'étagère. Nous allons donner l'assaut. Ne forcez pas à venir nous chercher. Oh!
Les bombes avaient détruit les escaliers qui menaient au bureau de Lupino. L'autre chemin consistait à passer par les toits. Pour rejoindre les toits, je devais atteindre l'ascenseur et franchir cette porte fermée devant moi. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clones à la laverie? Moi? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi? Non, la laverie? Oui, oui, je les connais. Directeur adjoint. La ville de New York est en crise ce soir. Il semblerait qu'une guerre des gangs liée à Valkyrie ait explosé dans le Bronx. Max Payne, déjà recherché pour le meurtre de l'agent spécial Boulder,
plus tôt dans la soirée, aurait décidé de lutter seul contre ses anciens partenaires du crime. Parmi les victimes figurent les célèbres frères Nito, Joey et Virgilio de la mafia new-yorkaise, mais également Rico Muerte, enfui et suspecté de plusieurs meurtres sur Chicago. La police est en alerte rouge. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver Max Payne. Jim Bravura, directeur adjoint de la police, a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour le remettre entre les mains de la justice. Reste à savoir en quoi consistent ces mesures. Paris Silver, en direct pour NYC LND. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec toi. Qu'est-ce que tu crois? T'es un sale flic. Tu peux rien nous faire. Tu pensais que tu pouvais venir et acheter ton badge? Comme si c'était... Ah! Oh mon Dieu, tu m'as tiré dessus. Ah! Tu es un homme mort, Payne. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'incapables? Descendez-le! Descendez-le! Avec plaisir, patron. Exit Cognity, j'ai fait comme Shaw you fait. Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Cognity. La lettre était adressée à Don Puccinello, mais Vinny n'avait jamais eu le courage de la terminer. Jack est devenu cinglé. L'autre soir, il a descendu Dino, parce qu'il voulait voir à quoi ressemblait la cervelle collée au mur. C'est un tordu, ce type. On est en train de perdre nos hommes et nos affaires. Cognity avait vécu dans une peur macabre de son patron. Jack Lupino était un psychopathe. Cognity était mort. Il pouvait courir, mais avec une balle en vent, il tabasco, il perdrait rapidement son avance.
Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lutin. Donc Nicky a les mains. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Gogniti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. Livraison de pizza. Je t'ai jamais vu.